bien tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Je vous avais prévenu, le décor, c'est pas le feu. Je viens d'arriver au Canada pour 3 mois, donc j'ai pas pu emmener tout mon matos. On va peut-être tenter de faire... Ouais, on va faire ça. On va faire un truc comme ça. Ah bah voilà. Là c'est mieux. Non mais attendez, vous avez quand même pas cru que j'allais vous faire une vidéo dans un décor claqué. Commencez à me connaître, je suis pas comme ça, j'ai pas vous faire ça quand même. Trêve de bavarderie les amis, aujourd'hui bien sûr on est là pour tester FIFA 19 qui est sorti. La semaine dernière j'avais testé la démo de FIFA 19 et j'avais dit que quand même ça promettait des bonnes choses. Mais est-ce que c'est la vérité? C'est pas parce que tu m'as rajouté un mode de jeu et une nouvelle façon de tirer que tu vas me conquérir mon petit pote. C'est l'heure de vérité les amis, lançons FIFA 19. C'est parti. J'ai pas allumé ma manette. EA Sports. C'est le game. C'est parti les amis, l'an dernier on avait eu droit au classico Real Barça. Maintenant qu'est-ce que ça va être pour le match d'introduction de FIFA 19? Bien sûr un match de Ligue des Champions. Oh, ça part sur un Juventus PSG qui est donc bien sûr la finale de Ligue des Champions de l'année 2018-2019. On sait très bien que le PSG va se faire sortir en 8ème s'il passe les phases de poule, ce qui est pas encore gagné. Première chose très importante quand on lance un nouveau FIFA, paramètres de jeu. Hop là, audio s'il vous plaît, commentaire. Brrr, zéro. Ciao Pierrot. Voici la coupe aux grandes oreilles les amis, les deux clubs rêvent de la soulever. Ok Ronaldo, on va t'écraser mon petit gars. Et les chants parisiens qui résonnent dans la tribune, c'est beau. Et c'est parti Juventus. Ah mais on joue la Juve. On va faire un truc, hop là voilà. On va pas jouer la Juve alors qu'il y a un club français en face quand même. Je vous que c'était quand même plus marrant parce que l'an dernier on a commencé direct avec un... Comment ça s'appelle? Un coup franc, voilà exactement. Allez Bouffon qui s'enflamme, Bouffon c'est parti. Hop là il sort un petit peu. Vous savez quoi, on va le faire jouer un petit peu. Voilà, c'est quand même la Ligue des Champions, c'est pas tous les jours, c'est peut-être sa dernière Ligue des Champions en plus. Donc ce serait pas mal s'il pouvait juste s'amuser un petit peu, tu vois, tout le monde a le droit de s'enjailler, je pense que Bouffon aussi. Bouffon continue. Non mais c'est bon, je lâcherai pas les gars, je vous le dis, je vais les marquer. Allez, c'est quand même Bouffon. Enfin franchement c'est pas évident. C'est pas évident mais on y va, regarde ça. Regardez ça, on progresse. Il faut y aller petit à petit. Bouffon fait son lit. C'est parti. Bouffon. Oh non. Montre-leur de quoi t'es capable. De faire des roulettes. Tu peux faire des trucs comme ça. Ok bah tu peux passer déjà Ronaldo. C'est pas mal. Franchement c'est déjà pas dégueu hein. Hop là. Et Cuadrado tu le dribbles aussi. Ah bah allez. Bah on dribble tout le monde. C'est parti. Dans l'axe. Ah oh, Bouffon il conserve. Bouffon. Oh y'a faute. Faut juste faire des petits pas comme ça. Ils savent pas quoi faire quand je fais des petits pas. Voilà ils sont perdus. C'est le coup des petits pas. Oh là là. Oh là 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 là. Et y'a pas but. C'est fou. Il n'y a pas but. Il va le faire. Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il va le faire, je vous le dis. Allez, vas-y, Bouffon. Il est parti. Hop là, dans l'axe. Bouffon dans l'axe, Bouffon dans l'axe. Il trace tout le monde. Attends, là, il est bien. Là, il est bien. En vrai il faut dire ce qu'il est. Là, il est vraiment bien, Bouffon. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Reste là, Bouffon. C'est pas fini. Tu n'as jamais été aussi proche du but. Ah ouais, mais là, je vais m'empaler. Non, 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 non. Oh non, Bouffon, t'étais allé tellement près. Non. Reste là. C'est pas. Oh non, c'est la mi-temps. On a. N'empêche, on s'est pris aucun but à faire ça toute la mi-temps quand même. Neymar, hop là, le passement de jambe, il sait pas ce qu'il fait, hein. Ne lui demandez pas. Hop là, il se retourne. Voilà, en tout cas, il sait qu'il met tout le monde dans le vent. L'arc-en-ciel, attention, et la frappe. Wow, c'était vénère comme frappe, hein, les gars, je vous le dis. Hop là, Rabiot, le 1-2 avec Draxler, la frappe de Draxler. Wow, c'était cadré, c'était beau. Wow, wow, wow. Il a vu l'appel de Rabiot, il va enrouler. Bah oui, bien sûr qu'il enroule Rabiot. Deuxième poteau. Oh non. Les gars, vous avez le droit de tirer un moment, hein, parce que là, on s'ennuie un petit peu. Et hop là, la passe, et hop là, Mbappé. Oh non, j'ai cru qu'il y avait but, j'ai cru que c'était le contre son camp, c'était beau. Enfin c'était tout sauf beau, mais ça aurait été énorme. Attention à la frappe, oh, la reprise de volée, mais c'était fou. Et c'est y part, le Neymar chaud qui commence. Et attention, il va le faire. Parce que ce geste là, il fait tellement mal quand il passe, mais là il passe pas parce que clairement ils s'en foutent les ordres. Faute. Ils en ont rien à faire, hein. Clairement je peux faire ce que je veux, les ordis s'en tapent complètement de mes gestes techniques. Avec Neymar, d'accord, le pire contrôleur hanté de la planète Terre, qui fait carrément une passe à ses adversaires. Oh non. Oh tata, c'est chaud. But 1-0. On a fait n'importe quoi. C'est tellement mérité. On peut pas perdre le premier match de FIFA 19. Non, arrêtez. Reprenez la balle, arrêtez s'il vous plaît. Là, vous commencez à me blesser. Eh, c'est la dernière. Mais quoi? Mais déjà, c'est pas déjà la dernière. C'est pas possible. Non, on a perdu la balle. Oh non. Bouffon, vite. Oh non, mais je suis vraiment énervé. Non, il va siffler. Siffle pas, mec. Oh, je suis dégoûté. On a perdu. Allez, c'est la dernière. Mbappé. Oh putain, Mbappé, s'il te plaît, s'il vous plaît, les gars. Deuxième poteau. Allez, Neymar. But, égalisation partout. Oui, les amis. C'est même plus dans les arrêts de jeu, c'est après les arrêts de jeu. C'est la 5ème minute traditionnelle. Oui, Neymar, tu me sauves. Bim. Extérieur du pied droit. Mais c'est beau en plus. C'est vraiment tout en délicatesse. Neymar, il va voir le steward. Le steward, il est comme ça. Ma vie est nulle. Oh là là, on est content, on est heureux là. Prolongation, les gars, allez. Ok, prolongation de la finale de Ligue des Champions. Là, clairement, c'est le scénario parfait. Oh oui, le 1-2. Non, il est tellement hors jeu. Bah, allez, on tire hein, pour la beauté du geste. Bah, c'était carrément but. On va dire qu'il y a 2-1, hein, du coup. Hein. On va dire ça. Au moins, même si on perd dans nos têtes, il y aura 2-1. Hein. Très bien, ça vous va? Et tac, c'est pour Kylian. Kylian est pour toi. Oh là là, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Allez, on va faire le show, le Kylian show. Hop là. Attendez, le replay s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Là, je n'ai pas compris. Wow. Là, le mec me dit s'y mettre, alors que clairement, ça touche lui. Mais attends,
Mais il y a clairement corner. C'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Oui, elle est déviée. C'était le corner. Nous avions raison. En vrai, je comprends pas comment l'ordi peut se tromper sur un corner parce que c'est... Enfin, c'est plutôt simple, je pense, de savoir qui est le dernier joueur à l'avoir touché. Ça fait déjà une injustice et c'est terrible, c'est pas normal. Et on y va, c'est parti. Et Cavani. Bah là, c'est but. Enfin, je peux rien dire de plus, quoi. Hop là. Ah oui, c'est vrai, je me suis trompé de touche. Maintenant, pour faire les frappes par terre, c'est L1, R1 et rond, et pas double rond. Et là, j'ai fait L1 et rond, tout court. Donc, ça fait lob. Ça part sur un lob. Bah, je sais pas, jetez-moi des pierres, enfin, faites quelque chose, quoi. Là, faut réagir, les gars, faut réagir, franchement. Alors, pour réagir, vous cliquez sur le bouton like et s'abonner, c'est tout. Thomas Meunier, il est parti aussi. Bah oui, tellement parti qu'il y a... Hop là, il y a un petit peu hors-jeu, c'est pas grave, ça tire. C'était dedans. Dans notre tête, il y a 3-1, plus le corner qui comptait pas, ça fait 4-1. Clairement, là, on est au-dessus. Hein. 4-1, c'est énorme. Hein. C'est la fin du match. Nous allons donc au tir au but. C'est nul. C'est pas possible. Bon, c'est vraiment parce qu'on fait n'importe quoi, hein, parce que je pense que si je voulais gagner, bien sûr, je l'aurais gagné. Ok, Ronaldo. Buffon qui est face à son ancienne équipe. Hop là, d'accord, c'est le but. C'est le but, on s'est fait avoir, bien sûr. Cavani, il va direct commencer par une panenka scandaleuse. C'est fou, mais c'est ça qui est beau, regardez ça. Hop là, panenka. Tac, et voilà. Tranquille. C'est-à-dire que le gardien aurait eu le temps, de limite, de se relever et de retourner la chercher. Hop là, deuxième panenka. Non mais, clairement, ça va être scandaleux, je vous le dis. Nope. Ouais, là c'était peut-être un petit peu trop, c'est vrai qu'on a peut-être un peu exagéré. Douglas Costa, il va tirer à droite, évidemment. Hop là, c'est arrêté, bien sûr. C'est facile. Attendez, on va pas perdre. Putain, je viens de réaliser qu'on pouvait perdre ce match. Non, non, non. Il faut l'arrêter. Oh, Buffon, s'il te plaît. Arrête là. Attends, c'est qui Bernard Deschi? Je le connais même pas. On va pas perdre à cause de lui. Il va tirer à gauche. Non. J'ai perdu. Je suis tellement triste. Faut que j'aille prendre l'air, là. C'est bon, j'ai pris l'air. Ouais, c'était bref, hein, je sais. Non ! Bon, en vrai, vous savez qu'on aurait pu gagner ce match, donc voilà. Hein, c'est une défaite, mais... Commencez FIFA 19 par ça, franchement. Bienvenue dans FIFA Ultimate Team. Ah, bienvenue dans FIFA Ultimate Team. J'adore. Écoutez-moi cette voix, comme d'habitude chaque année. Alors, j'imagine qu'en anglais, ça va être le mec qui fait la voix de eSport, ça va être archi stylé, mais en français, franchement... ...pour améliorer votre équipe de rêve. À qui ça donne envie, quoi? Que vous jouiez en face à face en ligne ou hors ligne. Allez, hey, tu sais quoi, tu m'as saoulé. Franchement, là, c'est pas possible. J'avais oublié l'équipe pétée qu'on a dès le début, quoi. On a quand même des bons noms d'équipe. Déjà, lui, regardez, il s'appelle Karazor. C'est clairement un Pokémon. On a quand même des packs parce qu'il nous récompense d'avoir joué à FIFA 18. Ok, premier pack opening. Attention, pack tout joueur. Est-ce que ça va être beau? Il n'y a aucune animation. C'est Fernandez. On est satisfait. Il faut être satisfait de Fernandez. Olivier Torres. On est satisfait d'Oliver Torres. On est content, les amis. Aucune animation. Et Lyon aussi. On est satisfait des Lyon aussi. C'est même peut-être... Oh, je le sens. Je sens que c'est Messi. Là, c'est sûr. Ok, animation. Ah, attends. Oui, David Neres. Ok. On accepte. On est satisfait. Enfin... Voilà pourquoi il ne faut pas acheter le pack, la démonstration. Ah ouais, ça change des chaînes où bien sûr, ça pack du Ronaldo, du Messi. Nous, ici, ne vous attendez à rien. L'équipe qui porte notre logo s'appelle quand même... Ekike. Ça fait peur. Donc on a perdu contre un ordinateur, mais là on va jouer contre une vraie personne. Bien sûr qu'on va gagner, c'est impossible, c'est inimaginable de perdre notre premier match de FIFA 19 contre un vrai joueur. Allez. Quoi? Non mais sérieux, attends. T'as pas honte là? Commence pas à me faire ça, mon gars. Non, il fait... Voilà. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas pris un but comme ça sur une passe du gardien. C'est pas mon jour là, vraiment. Ça me convient pas ce qui se passe aujourd'hui. Et arrête ça, mais c'est pas possible. Il met que des buts éclatés là. Voilà, rends-moi ça. Mais arrête ça. Mais c'est pas possible. Là, je vous jure, c'est pas possible. Il est nul ce jeu, il est nul. Allez, gardien. Mais qu'est-ce. Mais attendez, vous avez vu ce qu'il a fait le gardien? Non, mais qu'est-ce que je peux faire? Griezmann, il est parti. Griezmann, allez, y a pas hors-jeu. La frappe, mais c'est pas possible, franchement, y'a rien qui rentre là. Il a fait deux tirs, s'il vous plaît, deux tirs, y'a deux buts. Allez, là, s'il y a pas but, mec, franchement. What? Mais non, c'est quoi cette équipe? C'est pas possible! Attendez, c'est fou quoi, l'action était parfaite. C'est de l'exagération en bonne et due forme. Y'a faute. Oh, y'a tellement faute, arrêtez! Il peut pas y avoir but là-dessus! C'est quoi ça encore? Mais c'est quoi ça? Arrêtez, parce que là, s'il y a but, clairement. Alors, pourquoi le gardien met une tête? Non, mais franchement, le gardien met une tête! Je sais pas, j'ai mis un attaquant dans les goals ou quoi là? Mais regardez ça, il y a tellement faute. Voilà, donc là il y a encore une fois extrêmement faute, mais c'est pas grave. Il y avait faute! Mais regardez ça, je viens d'intercepter, mais je vais péter un câble, je vous le dis! Et heureusement qu'il n'y a pas but là, clairement, je te jure, la match je la prenais.
balancé dans la télé. Et comme c'est pas la mienne, j'aurais dû repayer la télé. Putain, mais je suis tout rouge là, c'est n'importe quoi. Vous savez quoi, je vous le donne, FIFA 19, c'est bon. J'en ai ma claque. Je suis extrêmement frustré, donc ce qu'on va faire, parce que quand même, à la base, j'avais l'intention de l'appeler la vidéo mes premiers buts comme j'avais fait l'an dernier. Sauf que là, pour l'instant, j'en ai marqué qu'un seul. Donc c'est un petit peu ridicule. Donc on lance un petit clash d'équipe, on marque juste un but tranquillement, il va être beau, et comme ça, voilà, tout le monde sera détendu, tout le monde sera content, et vous pourrez lâcher un like sans pression. Oh, ça va être maintenant, je vous le dis, ça va être maintenant, parce que là, ça commence un petit peu à m'agacer, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on n'a pas mis de but. Donc on va prendre Griezmann, et puis on va faire ça, ça, on va faire ça, ça, et on va frapper, et... But! But plein de lucarne, le gardien n'a pas bougé, crucifié, c'était beau. Antoine Griezmann, 13ème minute, but 1-0, et bah voilà, comme ça on peut arrêter la vidéo tranquillement. Je crois que je vais m'arrêter là, je pense que j'ai ma dose, ce jeu c'est de la merde, ne l'achetez pas. Mais la prochaine fois on va beaucoup plus s'amuser parce qu'on va s'attaquer à une pointure. Monsieur Alex Hunter, ça va être rigolo. Pour répondre à ma question sur FIFA 19, est-ce que c'est différent de FIFA 18? Non, je continue de perdre tous mes matchs, donc c'est totalement parfait. Et sinon, honnêtement, on va pas se le cacher, ça reste quand même assez similaire à FIFA 18. Il y a des modes de jeu qui ont l'air pas mal parce que ça a un petit peu évolué. Après, au niveau du gameplay, etc., c'est peut-être... Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit vraiment mieux. Ça a pas énormément changé. En tout cas, il y a des nouvelles techniques, les contrôles orientés, etc., ça peut être pas mal. Le système de tir que j'aime bien, pour le coup, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que tu peux choisir d'appuyer deux fois sur rond pour essayer de tenter une frappe plus précise et plus puissante si tu fais au bon timing. Mais par contre, c'est un risque que tu prends parce que ne pas le faire peut faire une frappe plus simple et plus efficace. Putain, c'était incompréhensible. Au niveau des menus et de l'interface, je trouve ça un petit peu exagéré de ne pas évoluer entre chaque année. J'ai vu une différence au niveau des packs quand tu les ouvres et que tu ranges tes joueurs. Là, c'est un petit peu changé au niveau de vente rapide, etc. Sinon, dans le menu de base, c'est toujours exactement pareil. Alors bon, ça marche, hein. C'est juste que du coup, t'as l'impression de jouer un peu au même jeu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Très très bientôt. Là, toutes les prochaines vidéos, ça va être du très très lourd, vraiment. Enfin, c'est incroyable, hein, clairement. Si vous aimez FIFA 19, si vous aimez Rocket League, si vous aimez les frites, ça va être génial. Il y a aucun rapport, mais comme tout le monde aime les frites, ça devrait pas poser de problème. Tout le monde va s'abonner. Merci à tous. À demain tout le monde.